Eh bien, salut tout le monde, mes amis, on se retrouve aujourd'hui déjà sur l'épisode 5, si je ne me trompe pas, voilà, je crois. Je suis pas sûr, ouais, fail total. Alors oui, normalement, je pense que c'est l'épisode 5 du Let's Play de Digital Red, voilà. Alors, ben, on va tout simplement commencer, on s'était quitté ici, où j'avais dit qu'on allait directement commencer, ben là, voilà, alors c'est parti. Alors là, il faut tout simplement aller chez la fête des boys. Alors sur le coup, il va falloir traverser tout ça alors qu'on a des tarés surélevés. Ça va pas être évident. Et il y a une rune en haut. Ok, on va se la taper alors. Nickel. Ok, alors attendez. Ah, j'adore ce truc, t'empêche. Ah, quoi? Au chaud. Il y a un combat qui se forme là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors. Salut mec, tiens. Chaud. Alors, waouh, chaud. Le pauvre mec qui s'est décomposé quoi. On va parler à ce monsieur. Corvo, est-ce de cela dont tu rêvais pendant ces longs mois en prison, alors que tu attendais ta sentence? Richesse, superbe femme vêtue à la dernière mode. Vin de Tivia coulant à flot. Et qu'en est-il de Lady Boyle? Je vois tous ses futurs possibles, et je sais que soit elle meurt ce soir de ta main, soit elle survivra encore longtemps, et finira ses jours loin d'ici, quand ses atours seront devenus guenilles, et ses doux cheveux virés au gris. La moitié de la ville peut voir les lumières de la fête, et tous rêvent des délices qu'ils y trouveraient. Est-ce que tu vas tout mettre en pièces? Dans tous les cas, c'est la dernière fête de Lady Boyle. Ok, intéressant. Y'a quelqu'un. Ok. Oh, ça va, c'est toi. Allez, tiens. Tiens. Bon, je sais pas si j'ai trop frappé, mais... Ok, bah, intéressant. Alors, dans tous les cas, comme ils disent, bah, Lady Boyle, bah... voilà, fera sa dernière fête. Alors est-ce qu'on va la tuer? Est-ce qu'on va pas la tuer? Mais comme je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt sympathique, je vais sûrement la tuer. Alors on verra quoi. Par contre on a un problème. Tout c'est peut-être d'attendre qu'ils font demi-tour. C'est là que je passe. Sur le coup, ça va se faire en mode rapide. Je me casse. Allez. Est-ce qu'il faut faire un truc là? Ouais. Bonjour. J'ai pas vraiment d'invitation. Savez-vous qu'il y a un jeu? Putain, qu'elle est moche. Mathy, laissez-la donc. Qui sait ce qui peut rôder dans ces bâtiments? Le danger est partout de nos jours. C'est à se demander ce qui est arrivé à cette ville. Chou. Merci pour toi, David. Ça fait plaisir. Votre invitation. Enfin, je suppose... Elle est là, je vous la donne. Venu de ne pas jouer. Ce sera charmant, vous verrez. Incroyablement ennuyeux. Si vous ne comptez pas vous amuser. Par ici, vous monsieur. Merci. Un verre et tout ira mieux. Harold aime se montrer difficile. Alors que vous, vous êtes plutôt facile. Nous y allons. Emma nous a demandé de l'attendre de Pendleton. C'est vous? J'ai une tête à m'appeler Pendleton. C'est une insulte à ma religion. Regardez. Encore un jeu débile. Même si je n'ai aucune religion. Mais on s'en fout quand même. Allez, c'est parti. La fête se passe à l'intérieur. Merci à tous. Je sais, je suis trop beau gosse. Je me casse. Bonsoir. Je ne fais qu'entrer tout simplement pour voir les jolies jeunes filles qui s'y trouvent. Merci de me montrer l'entrée.
Alors, on va tout simplement essayer de trouver cette Lady Boys. Et voir ce qu'on peut y faire. Méfiez-vous. Nous avons essayé d'aller à l'étage, mais le garde est un vrai malotru. J'aurais dû lui apprendre le respect. Cette fête est pitoyable. Allons, allons. Ça parle mal. Ce genre de fête attire toujours les importants. Pardon, vous pensez mais avoir votre mon cousin après ce qui s'est passé cette nuit ? En effet. Je ne parlais pas de vous, voyez. Mais les gens sont aux abois et la fortune des Boyle frise la défense. Absurde. Waverly engage ses gardes uniquement pour épater la galerie. Cette obsession. Ça parle mal. Alors. Wow. Vous, un gentleman. Oh, Lady Boyle. J'ai trouvé du premier coup, je crois. Que possible en toutes circonstances. Bienvenue à ma fête. C'est votre première fois, il me semble. Et tant de choses à vous offrir. Serais-tu la bonne Lady Boyle ? Faites comme moi, ne venez pas. Qui vous a ne invité ? Ne remarqueront rien. Vous ne me dites rien, pourtant je connais tout le monde. Excusez-moi. Oh, une autre Lady Boyle. Quel masque délicieusement malsain. Conversation privée. Encore c'est une bête. En socialité. Je vais essayer de la tuer, mais comment? Ce qu'on oublie, c'est que les rats sont arrivés 6 mois avant que l'on perde l'impératrice. La peste aussi. Vraiment? La Lady Boyle rouge, là, elle est où? Elle s'est cassée, je la vois plus. Ah, une Lady Boyle blanche maintenant. Oh là là, mais c'est qui qu'il faut tuer? J'espère que vous êtes bien invité. Ah oui, pourquoi je le serais pas? J'espère que vous savez vous tenir. Bah tais-toi, tu prends pour un clodo. Par contre, j'aimerais te tuer, comment? Non. Ce mec, comment il s'est abaissé comme un... Foutu en l'air la fête là. Attention, quelqu'un se cache dans le coin. Oh non, s'il vous plaît. C'est pas elle. Merde. Fausse Lady Boyle. Quoi peut-être. Ok. La clé du coffre du sous-sol est sur ma coiffeuse. Prenez-la. Le camé des Boyle est dans le grenier. Allez-y, prenez tout. Mais ne me tuez pas. Restez à l'envers. Allez, allez, allez. Assassin. Oh. Et voilà. En fait, c'est pas les renforts qui manquent, bordel. Ce massacre. Oh là là, les renforts. Waouh. Trop de renforts, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? N'empêche, ce massacre, ce massacre. Allez,
Tiens. Ouh, ce massacre. Bon, désolé, ça aurait été vraiment un truc à la vite fait encore. J'essaie vraiment d'être discret, mais j'y arrive pas. Et dans un sens, je vois pas comment j'aurais pu tuer les Boyle sans mourir, quoi. Enfin, sans me faire voir. Faut vraiment que je prenne un petit peu plus mon temps et que j'essaye d'un petit peu plus réfléchir comment prendre. Comment m'approcher discrètement et savoir faire ma mission discrètement. Parce que faire tout le temps des trucs comme ça à la bourrin, c'est lourd à force. Vous voyez, ça donne. Enfin, après, ça dépend de votre version des choses, mais moi je trouve que le let's play final n'est pas si classe que ça. À force de justement faire des trucs à la bourrin. Ah, étonnant. Pourquoi ils me disent de re-aller dedans? Chaud? Attendez, bah, il faut de nouveau aller dedans. J'ai manqué un truc. Le carnet et tout qu'elle m'a parlé, il faut que je vais aller les prendre. Je suis obligé. Je pensais que c'était des petits trucs comme ça vite fait pour me faire plaisir. C'était pas. Je savais pas que j'étais obligé à le faire. On va voir. Ah, il faut dire aussi que toutes les Ladyboy ne sont pas mortes, je crois pas. La blanche, oui. La noire, oui. Mais la rouge, je pense pas. Désolé. Prenons les trucs quand même, récupérons des trucs. Alors. Il y a tellement de trucs à prendre. On va monter un coup, on va voir. Ah merde, non. On va monter encore d'un étage. Faut faire attention, il y a peut-être encore des gars. Ok. Waouh! Ah ouais, bien! Ah! Quelle chance! C'est pas super ça? On est pile à l'endroit qu'il fallait. Pas comme ça! Pas comme ça! Ah, pourtant, je suis désolé. Ça va se passer comme ça. Allez, je te pousse. Après, voilà. Comme je l'ai expliqué pour les deux autres. Enfin, non, je l'ai pas expliqué, mais voilà, c'est ce que je voulais leur dire avant de les tuer. Ils voient rien de personnel après. Hein. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas. Il n'y a rien à voir avec contre toi, tout simplement, vu que je ne te connais pas réellement et intimement. Mais bon voilà, je suis vraiment désolé, mais ça va normalement et logiquement se terminer comme ça. Je suis vraiment désolé, en tout cas t'auras fait un excellent travail et je te dis sûrement à la prochaine dans un autre monde. Je suis désolé. Cherchons une fin horrible pour toi. Mais non, on est obligé, enfin, on est normalement censé jouer le mec complètement sadique à un point impensable. Alors il faut se conduire comme tel. Chaud, les vitres sont cassées, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça pourrait être très marrant. Je la cramerai dans les trucs l'arc. Alors voyons voir s'il n'y a pas quelque chose encore à récupérer. Ok.
Oh, mais cette rune qui est en bas, si je me trompe pas, on peut pas la voir. Je crois pas. Allez, ouais, non, je pense pas. Attendez, non, on est trop haut. Ok, il faut que je retrouve l'escalier. Alors, ça va, on aurait fait plus ou moins du bon boulot. Ça aurait été encore une fois un truc à la vite fait, mais ça va. Bonjour. Je suis méchant. Je l'avoue. Bonjour. Aucune preuve, aucun indice. Bonjour. Je crois pas qu'il reste un seul mec. Ok, bon, on se casse. C'est parti. Ouais, ça aurait vraiment été un truc à la bourrin. J'ai pas laissé un seul gars vivant. Ok, on essaiera vraiment de se rattraper pour le prochain. Essayez vraiment de faire un truc assez propre, discret aussi. Parce que là, c'est pas le cas du tout. C'est pas discret du tout. Si ça, c'est discret, bah merde alors. Voilà, comment. On va essayer de passer inaperçu. Parce que là, y'a rien qui dit qu'on a tué quelqu'un, alors on se casse. Le problème, c'est qu'on va devoir repasser les gardes là. Merde. Oh, chaud. Chaud, ils savent que je suis la merde. J'arrive, Samuel. Attendez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh. J'espère que la soirée vous a plu, mais c'est l'heure de rentrer. Et vite. Pas de soucis, on se casse. Alors, une rune sur trois, ça c'est du mauvais boulot, ça. Ça c'est du très mauvais boulot, je ne suis pas fier de moi. Pas du tout, même. On va voir c'est quoi notre prochaine mission, mes amis. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave. Perdre sa famille, ça peut donner soif. C'est parti. Vous avez votre attention, citoyen de bien joué. Bonjour. Nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. J'ai eu des nouvelles de Lord Shaw ce matin. Il n'a donc pas reçu mon message. Cela me met dans une position délicate. Cela dit, ce n'est pas vous qui avez dit que sa femme avait une tête de rat. Merci. J'essaierai de ne pas vous surcharger lors de vos futures missions. La nuit a été longue pour vous, Corvo, mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar.
Ok, alors, comme je l'avais promis, est-ce que je peux acheter des trucs en magasin? Merde, non. Ah si, ok. On va voir, hein, comme on a quand même pas mal d'argent, je pense, maintenant. Vous Bonjour. Voulez que je fabrique quelque chose pour vous? Je peux tout faire, enfin presque. Pas du tout, qu'est-ce que je dis? Pas de soucis. Alors, combien d'argent on a? On a 4000 pièces, c'est bien. Alors, amélioration. Ouais. Mode furtif. Ouais, je sais pas. Attendez, et là? Oh, on peut acheter une rune, ça c'est cool. Portée d'arbalète. Rechargement d'arbalète. Ça je prends. Précision, je prends. Je prends aussi. Ouais. Bah nickel, bah on aura pris des trucs là. Et je vais aussi regarder les runes, voir si on peut pas prendre un truc. Parce qu'on en a quand même un petit peu ramassé. 6 runes quand même. Pourquoi pas prendre le pli temporel justement et améliorer ça. Voilà, et il nous en faut encore 4. Nickel, bah mes amis, on aura quand même quelques nouveautés pour ce qui nous attend là. Pas un escalier? Salut chérie. Merci. Corvo, l'heure est venue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, c'était pour que ce moment arrive. Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à deux pas du trône. Un seul homme, un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, ni du Parlement. Il n'a plus de financement et il n'a plus Sokolov, qui a créé sa technologie de sécurité. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait que vous venez. Et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister, puis Samuel vous rapprochera de la tour, près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. Bonne chance, Corvo. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Ça fait plaisir, bah, on va essayer de terminer cette mission avec succès. Grâce à votre soutien et vos encouragements, merci, merci, bonjour, au revoir. Et je me casse pour fêter ça. On a tout ce qu'il nous faut, on a tout acheté, on se casse. Prêt à affronter le Lord Régent ? Il est temps qu'on s'occupe de lui. Plus que temps. Ok. Pas de soucis, on se barre. Dunwall Tower. Dunwall Tower. Dunwall is a tower. Dunwall is a tower. Vous y voilà. Vos derniers souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai? Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis l'écluse. La priorité, c'est d'abattre le Lord Régent. Il s'est construit un joli bunker en haut de la tour. La salle sécurisée, qu'il appelle. Il est complètement frappé. Quitte à jouer des touristes, il y a un autre endroit qui vaut le détour, Corvo. La station de radiodiffusion. C'est de là qu'ils diffusent leurs annonces. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Vous êtes prêts? La prochaine fois qu'on se verra, le Lord Régent sera mort. Sinon, j'aurai eu l'honneur de servir à vos côtés. Merci mon pote.
À toutes. Par où on monte? Puis on y arrive. La mort débile. Oh la mort débile. Ah, je suis deg un peu, je suis mort carrément parce que je suis passé trop tard au truc, il m'a écrasé quoi. Ok, bah je sais qu'on peut mourir. Je savais pas. Ok, bah je sais maintenant. On va attendre. Hein. Chou, la mort débile quoi. C'est pas plus débile que cette mort, je trouve. Hein. J'ai vu des morts connes, mais là. N'empêche, les chargements sont insupportables. Moi, perso, j'ai joué aussi à Dishonored sur PC. Sur PC, les chargements, ils sont en un clin d'œil. Et voilà. Merde, merde, merde. Ah, quand on n'est plus en meute, c'est autre chose, hein. Voilà, super. Ouh, c'était chaud, mais ça va. Vive le puits temporel, j'ai envie de dire. À tout le personnel de Dunwall Tower, où les nouveaux rapports de mission sont à remettre à l'officier de garde. Ok, alors. Waouh, 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 waouh. Allez. Désolé. Bah là c'est parfait pour l'instant. J'ai réfléchi comment le dépasser. Ah y'a moyen, y'a moyen. Ok, super. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, on fait du bon boulot.
Et voilà. Waouh, 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 waouh. On y arrive. Je veux des douves, Kiki. Lui et ses fichus doux. Il attend quoi? Une armée? Des douves. Désolé, mec. Ça se fait pas, tu as un mec pendant qu'il pisse, quoi. Ah bon, j'avais pas le choix. Faire bouffer par les poissons. Il y a des fortes chances, non. Non. Sors. Désolé, mec. L'assassin, à l'aide! Vous allez mourir! Ouf! Ça, ça fait mal! Sa petite tête! Putain! Putain! Alors. Merci pour la rune. C'est tout. Y'a plus rien. Ok, on se casse. En effet, je le pense. Et c'est parti. La Dunwall Tower, on est juste à l'intérieur. Maintenant on va devoir tuer des mecs assez importants. Et on va se faire un plaisir à les massacrer. Voilà. Ah, les chargements, j'aime bien les chargements. Je sais pas ce qu'il en bas, mon général. Il n'y a rien à signaler dans le périmètre, Lord Régent. Je m'en moque. Doublez les gardes quand même. Triplez-les. Assurez-vous que tout le monde remplit sa part de travail. Bien, Lord Régent. Puisque le toit est sécurisé, vous devriez y rester pour l'instant. Mes hommes veilleront à ce que personne n'arrive jusqu'à vous. Général, je compte sur vous. Oh. 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 Je monte à l'étage. Voilà. Bonjour. Merde. C'est bon. Nickel. Je crois pas, il a pas trop la tête à vouloir aller là-bas, quoi.
Bonjour. Hé, j'ai entendu que tu les as mangés tout cru aux cartes. Va embêter quelqu'un d'autre. On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un là-bas. Merde. Allez, 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 allez. Restez à couvert. Aux armes. Ah ouais. Ah ouais. Oh, oh, il était robuste celui-là. Voilà. Par les yeux d'outsider, je commence à avoir peur. C'est sûrement. Tu vois quelque chose? Oh merde. On va boucher dans la rivière, donnons-le au chien. Oh, hey, oh. Oh là là. Qu'il y avait quoi. En plus il y avait un chiat, c'est vraiment pour couronner le tout quoi. Pour dire tu vas mourir. Quoi que tu fasses. Ok ok. Bah mes amis, bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas, bah, comme d'hab, que l'épisode 5, voilà, je pense que c'était l'épisode 5, voilà, je me trompe de plus en plus, vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas de la partager, la commenter, la liker et bien sûr visionner ma chaîne récemment pour les prochains épisodes qui arriveront de Dishonored ou les autres Let's Play qui arriveront aussi sur ma chaîne, ceux qui sont en cours et ceux qui vont y arriver. Et bah, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et salut tout le monde, mes amis, à toutes.